Tahar Ben Jelloun, prix Goncourt de littérature, est l'un des invités des Inattendus. Il était de passage à la Maison Losso à Mons pour une lecture en musique de son roman « Le mariage de plaisir ». C'était à l'époque du prophète, lorsque les hommes partaient pour une longue période, pour ne pas avoir à fréquenter les prostituées. L'islam les autorisait à prendre un mariage à durée déterminée pour une semaine, un mois, deux mois. Il est légal pour un homme absent de son foyer pour de longues périodes de contracter un mariage de plaisir, de jouissance, de bien-être, qui garantit à la femme une dot et le respect de celui qui l'a épousée. Dieu a institué cela pour lutter contre la prostitution. Mais c'est une institution qui était réservée uniquement aux hommes. Ah bien sûr, mais aucune religion monothéiste n'a donné des privilèges à la femme. Bon, l'islam en fait de même. Depuis peu, lors de ses voyages au Sénégal, Amir avait pris l'habitude de contracter un mariage de plaisir avec Nabou, une magnifique peule d'un mètre 80. Ce qui fait que nous vivons aujourd'hui tellement de problèmes à cause justement de la condition de la femme. Et quand on voit aujourd'hui toute cette espèce de fanatisme et de terreur, ça tourne toujours autour du corps de la femme, qu'il faut voiler, qu'il faut se cacher, qu'il faut mettre sous une espèce de prison en tissu, enfin des choses comme ça. Vous allez bientôt intégrer la Fondation pour l'Islam de France. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette fondation ? On va essayer surtout d'apaiser la situation et de lancer un petit peu l'appartenance républicaine dans les milieux des jeunes. Vous allez aussi former des imams ? Il est prévu effectivement de former des imams en France de qualité, c'est-à-dire que ce sera... Ils passeront par l'université, ça ne va pas uniquement des cours de religion, mais et surtout leur donner, pas uniquement le savoir théologique, mais leur donner aussi cette appartenance à la République, c'est pour que ne pas oublier que nous sommes dans un pays laïque qui respecte les religions, à condition que les religions restent dans le domaine privé et non pas public.